C'est un groupe qui nous vient de la ville d'Alizé en région Normandie avec Thierry Gauthier, leur manager. Voilà, voilà Thierry. Il est un personnage, croyez-moi. Moi je l'ai vu au carnaval 2008. Il neigeait, il faisait. Parce que oui, ça nous arrivait d'avoir des carnavals où il neigeait. Il faisait moins 2, moins 3. Et il était habillé comme ça, et moi j'avais le gros manteau sur le podium, et bien voilà. Il est en grande forme, hein, notre ami. Voilà. Gérard, tu prendras le même accoutrement juste après, vous êtes d'accord? Oui, bien sûr. Voilà. Place au show, place à la musique. Donc vous avez compris, hein. Voilà, on va faire deux séances, et comme au théâtre. Voilà, il fait beau, on va en profiter. Les Diabolos, je vous demande de les applaudir très fort. Vos applaudissements plus fort que ça. Le Diabolo. Thank you.
bien, bien fort, les Diabolos. Maximum de 8 points. On continue à les applaudir jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. C'était le groupe qui a inauguré cette parade de nuit. Il s'agit des Diabolos. Alors, je vous rappelle que les Diabolos, vous les retrouverez bien sûr demain, hein, dans le, à partir de 14h30 pour le grand carnaval, le 117e du nom, puisqu'on avait malheureusement arrêté les compteurs en 2020 et 2021. Donc, vous les retrouverez bien sûr sur, avec 15 groupes qui défileront de la place Wilson, ensuite bien sûr rue de Villars, rue Arthur Brunet, petite pause à la salle des fêtes et un retour également ici, bien sûr, ça ne sera pas en nocturne. Vous reverrez les groupes ici aux environs de 18h, toujours entrée gratuite, bien sûr, donc au Théâtre de Verdure. Voilà, on va maintenant, mon cher Arthur, avoir un deuxième accueillir groupe. Les éléphants, cette fois-ci. Alors, ce sont un groupe local, puisqu'ils nous viennent de Bruay-sur-Escaut. Alors là, ça va intéresser beaucoup de monde, et surtout les enfants, mais voilà, ça plaît beaucoup. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux quand on a mis leurs photos. Ils parcourent eux aussi toute la France. Là, ils étaient encore samedi dans la région parisienne. Ils sont avec nous aujourd'hui et demain. Donc, les éléphants qui vont être bien sûr eux aussi lumineux. Et ils m'ont demandé, mon cher Arthur, de mettre un peu de musique parce que c'est passif. Enfin, voilà. Thierry, à bientôt. Joyeux Noël. C'est, Thierry, c'est la star, c'est la star. Je l'ai vu plusieurs fois dans toute la France, dans des situations, et même lorsqu'il il prend les repas, tout ça, du côté de Digne-les-Bains, mon cher. Voilà, les éléphants, donc là aussi un spectacle inédit, exceptionnel à Denain. Vous les retrouverez, c'est magnifique, effectivement. Vous les retrouverez, bien sûr. On va pouvoir taper dans les mains comme ça pour les accueillir. Toutes les mains, toutes les mains. I'm gonna go get some.
Allez, on les applaudit à fort. Nos amis les uniformes, bien sûr. Vous aviez bien compris que ce n'était pas les vrais éléphants, bien entendu, les éléphants. C'est magnifique. Ah, ils viennent pas de très loin. Ils sont de la région, effectivement. Arthur nous l'a dit de Bruet. Et il parcourt actuellement toute la France avec les reprises des festivals et des cortèges. Voilà, c'est magnifique, ces éléphants sont pour la nuit, mais demain, on les retrouvera dans le cortège. Donc qu'on retrouve aujourd'hui, je le répète, demain également après-midi. Et l'association nous promet de nouvelles surprises pour l'année prochaine. Vous voyez qu'on pense déjà 2023. Voilà. Bravo, on les applaudit. Allez, plus fort que ça. Merci. Allez, on va les retrouver, bien sûr, pour la deuxième parade tout à l'heure. Voilà. Effectivement, c'est l'association Sidou qui va nous rejoindre dans quelques instants. L'association 100% Made in Denain. L'association Sidou, je vous le rappelle, œuvre pour lutter contre la xénophobie et l'intolérance sur le territoire de Denain et à Dakar. Vous pouvez les retrouver sur tous les matchs de l'équipe de France, mais aussi sur pas mal de dispositifs offerts par la ville de Denain. Ils sont heureux de vous présenter le show qui va arriver dans quelques instants avec quelques mascottes. Je vous donnerai quelques consignes par rapport aux mascottes. Vous allez voir, ils ont fait les choses en grand cette année. Alors, on va donc continuer avec Sidou. Est-ce que ça va toujours? Est-ce qu'on pourra avoir toutes les mains comme ça? Toutes les mains. Merci de votre présence en tout cas. Vous pouvez vous applaudir. Alors nous allons accueillir maintenant le groupe tunisien Sidou, fidèle du carnaval. Ils sont avec nous au niveau du carnaval depuis des années maintenant.
Il vous propose ce soir un petit panachage des différents shows qu'ils nous ont présentés lors des précédentes éditions. On se souvient notamment de Star Wars, entre autres. Ce soir, on retrouve Disney, Star Wars, tous vos dessins animés préférés. Il y a même un million ce soir. Consigne les amis qui m'a été demandé par les mascottes afin que ça soit ils vont faire des photos avec les enfants, il n'y a pas de souci, mais on va venir tranquillement, on va pas se précipiter, on va surtout faire chacun son tour pour que les enfants puissent avoir leurs photos. Voilà, on se précipite pas, on prend ce... Et son président Dimitri Baird, merci. Voilà, je vous rappelle toutes les actions que mène Sidou au quotidien. Si vous souhaitez les rencontrer, les rejoindre, ils sont à votre disposition. C'est l'association qui fait du bien. Allez, un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour toutes les mascottes de Sidou. Le mot d'italien, mais c'est comme ça, c'est la vie. Alors, juste pour se faire un petit kiff avec les Italiens. Les Italiens, ça va toujours? Vous êtes prêts à accueillir le groupe de chez vous ce soir? Allez, on applaudit une nouvelle fois, Sidou. Voilà, et on va accueillir, donc, je vous le disais, vous allez voir, sont arrivés depuis hier, et ce midi, nous étions avec le groupe slovaque dans la trouée d'Arambert pour les amateurs de vélo. Là aussi, on a fait le show pour promouvoir le carnaval, qui était un endroit magnifique avant l'arrivée avant le passage des coureurs. N'est-ce pas, monsieur le président de la fédération? Voilà, c'était un endroit magnifique sur la trouée de Wallers-Arambert. Donc j'ai pu apprécier effectivement leur travail, leur costume. Vous allez le voir dans quelques instants maintenant. Ma dopo tutto, cosa ci dispiace?
c'est parti. Donc nous allons avoir le plaisir d'accueillir dans quelques instants, je vais essayer de le redire sans faute, le Gruppo Sbandieratori di Arezzo. Le Gruppo. Un maximum de bruit pour les accueillir. Ah, ils étaient pas prêts. Bon, voilà, on va meubler un peu, mais ça va le faire. Allez, c'est parti avec nos lanceurs de drapeaux italiens. On les accueille dans le théâtre de Verdure. We'll be right back.
je vais vous le dire très fort, spectacle exceptionnel ce soir à Denain, avec les lanceurs de drapeaux qui nous viennent tout droit de Toscane. Eux aussi, vous les retrouvez demain au carnaval. Ils sont bien entendu présents. Donc voilà, un grand carnaval vous est proposé demain après-midi. À partir de 14h25, voilà, jusque 18h, avec le défilé final. Allez, encore, vous les applaudissez très très fort, ce groupe exceptionnel que nous avons la chance d'accueillir à Denain pour la première fois. Je vous le disais, dans notre région des Hauts-de-France, voilà, ils sont habitués, effectivement, et je crois que Alain, il est là, ils font... Voilà. On va accueillir, on va prendre un petit peu de hauteur. On les connaît bien parce que c'est l'association Coprod qui vient régulièrement. Il y a quelques années qu'il n'était pas venu. Souvent des spectacles féeriques de chevaux. Et là, ce soir, il nous propose effectivement ce magnifique spectacle. Donc, je vous laisse apprécier donc, avec les Mayas de la Muerte qui vous sont proposés ici par l'association Coprod. On peut les applaudir une nouvelle fois. Merci
Christophe à tout à l'heure et à demain. Voilà. On peut les applaudir bien fort. Las Marias de la Vuelta. Et on va accueillir dans quelques instants un groupe, je sais que celui-là vous les entendez chaque année. C'est un groupe qui nous vient chaque année puisqu'il est de Denain. Il s'agit du groupe Denain 2012 qui va nous rejoindre dans quelques instants, l'association denaisienne. L'association denaisienne qui cette année vous emmène pas très loin, elle vous emmène à Dunkerque. Vous allez comprendre pourquoi. C'est la thématique qu'ils ont choisie pour leur représentation de cette année. Je vous demande d'accueillir comme il se doit l'excellent groupe Denain 2012. Et ils seront accompagnés bien sûr des célèbres géants, le groupe Denain 2012. Alors c'est le carnaval de Dunkerque, hein, c'est ça je crois. Tout à fait. Denain 2012, alors j'en profite pour vous parler de leur spectacle qui aura lieu bien sûr ici même au Théâtre de Verdure sur 6 représentations de mémoire fin août et début septembre. Le spectacle Terre et de Feu donc, qui vous sera présenté par Denain 2012 ici même fin août, début septembre, le dernier week-end. Vendredi, samedi, dimanche et le 1er de septembre, vendredi, samedi, dimanche, ici même au Théâtre de Verdure. Alors bien sûr, ils seront présents demain également dans le cortège, bien sûr. Alors Dunkerque est avec nous avec l'association Denain 2012. Et bien sûr, nos géants qu'on a le grand plaisir de retrouver. Donc, Cafouniette et Véronique, ils sont sortis. Ils sont contents, je peux vous dire, hein, parce que eux aussi, ils ont fait le confinement. Voilà. Et je suis pas certain, j'ai pas eu d'écho. S'ils avaient attrapé le Covid, je sais pas. J'ai pas eu d'écho, on me l'a pas dit. Mais bon, comme on est très nombreux à avoir eu le Covid, je pense qu'effectivement, les braves Zef, il a dû avoir le Covid. Hein. Bon. Et ça va, ils s'en sont bien remis, c'est le principal, donc ils sont sortis de nouveau. Aujourd'hui, Denain 2012, donc présent avec nous à la parade de nuit. Et de... Ces parades de nuit ont toujours un gros succès, mais là aujourd'hui, Arthur, ça... Ah, c'est assez exceptionnel. Merci à Denain 2012. Merci beaucoup, Denain 2012. Nous avons bientôt la vétérante. Voilà, Paul Laine et toute la troupe de Denain 2012. Voilà, des confettis, vous allez en avoir plein demain. Avec les blancs moussis, il y a 2 tonnes de confettis demain après-midi. 300 kilos d'oranges. Voilà, ça va être du grand délire aussi demain après-midi dans les rues de Denain. Voilà, on les applaudit. Bonjour mademoiselle, je vous reconnais, vous. Allez, Cafouniette et Zef, qui se disent, bah tchous, qu'est-ce qui se passe à Denain aujourd'hui? Et Zef, il vient de dire... Mais c'est pas possible, il y a longtemps que j'ai vu autant de gens, hein, Arthur. Arthur, t'es là, mais tu t'es d'Edna aussi, Arthur, je crois que t'es d'Edna. T'es un brave garçon, maintenant tu dis que c'est toi un brave garçon. Mais là, le Zef, il est étonné. Voilà, hein. C'est le moment où il faut buter Gérard.
Oui, s'écrit bien sûr O-I-S et trois O derrière. Voilà, lumineux. Lui aussi, c'est une compagnie, c'est la compagnie Youplaboum qui nous vient tout droit de la ville du Mans. Voilà, qui sont déjà venus avec un autre spectacle il y a quelques années. Et ils nous reviennent ici avec ce magnifique oiseau qui vous est proposé demain aussi, bien sûr, pendant le cortège du carnaval. Ils seront présents, voilà. Allez, je vous demande de les applaudir, cet oiseau assez particulier. Voilà. C'est bien, on va avoir un coup de queue. Il y a un coup de queue. Voilà l'oiseau qui arrive ici. Vous allez vous régaler et on peut aussi les applaudir. Ils sont trois pour organiser ce spectacle qu'ils nous proposent aujourd'hui. Je vous le disais, ils nous viennent du Mans. C'est vraiment là aussi, c'est pour nous une première. Voilà, après c'est pareil, 2 ans, la vie reprend et là on retrouve des spectacles de rue, de magnifiques. Maurice, fais attention à tes cheveux. Maurice, attention à tes cheveux. Ah non, pas moi. Non, pas moi. Allez, on peut les applaudir aussi, hein, de temps en temps, ça leur fait du bon au cœur, hein. Voilà. Ce magnifique engin articulé. Donc demain après-midi, je vous le disais, ils seront également présents. Le départ... Petit rappel, le départ du cortège à l'angle de la rue de la Pyramide, place Wilson, où se trouve le champ de foire. À partir, le premier groupe, à partir de 14h25, il y aura 15 groupes et on terminera le cortège, vous verrez, par des gens que la plupart d'entre vous ici connaissent. Ils viennent tous les 5-6 ans en Denain. C'est vraiment le folklore au sens propre. Ils nous viennent de Belgique avec 2 tonnes de confettis. Nous accueillons en exclusivité également les majorettes Noise et leurs musiciens, bien sûr, qui sont avec nous depuis vendredi soir. Vendredi soir, pour ceux qui aiment le basket, on a mis le feu au complexe sportif avec, quand même, le signaler, une superbe victoire de nos Dragons, 90-70 contre Chalon. Qu'est-ce que ça nous a fait du bien. Là aussi, un complexe plein à craquer, une ambiance de folie et une victoire à la clé. Et nos majorettes Noise étaient bien sûr présentes. Voilà, on peut l'applaudir, on le retrouvera bien sûr, je vous le disais. Marion, fais attention quand même, hein. Fais attention Marion, je voudrais te retrouver quand même. Je me méfie du dragon, moi. Allez, on les applaudit bien fort. Alors, on va terminer, donc je vous le disais, avec les majorettes Noise et leurs musiciens qui nous viennent de Slovaquie. Voilà, on va pouvoir leur réserver le meilleur accueil qu'ils sont. Ils ont fait exactement 2100 km pour venir parmi nous ici même à Denain. Ils sont avec nous depuis maintenant vendredi. On a eu le plaisir de les découvrir au basket vendredi soir lors d'une soirée particulièrement exceptionnelle. Et ils seront avec nous dans quelques instants, nos amis.
Allez, je vous demande de les applaudir. Un maximum d'applaudissements, s'il vous plaît, pour ce dernier groupe. Voilà le dernier groupe pour cette première séance qui vient clôturer. L'élégance est au programme, évidemment, avec les Majorettes Noise et leurs musiciens. On les applaudit encore très très fort, nos Slovaques. Alors je vous rappelle, c'est bien, vous avez entendu nos messages, vous sortez de ce côté, effectivement, pour cette parade. Est-ce que ça vous a plu? Voilà les amis, juste avant de se quitter, je voudrais voir une dernière fois. On peut les applaudir une nouvelle fois, bien fort. C'était la première partie de cette parade nocturne qui termine en beauté avec nos amis de Slovaquie. Alors effectivement, vous sortez, je vois, c'est bien, vous sortez vers le côté du
du pont de bois pour rejoindre ensuite la rue Zola là-bas derrière. On va laisser sortir tout le monde et on fera rentrer du côté effectivement du parking Carrefour. Vous passez derrière de l'autre côté. Voilà, vous sortez sur le sable, on sort de ce côté-là. Voilà, allez-y, vous avez le temps. Oui, patientez, laissez partir.